Bonsoir à tous et merci d'ouvrir avec nous ce soir un nouveau package de 5 grands rendez-vous pour le compte de cette semaine-ci. Ce premier numéro s'articule autour des abeilles, de la biodiversité, du stylisme et pourquoi pas d'entrepreneuriat féminin. Bienvenue à tous et installez-vous avec la météo. Merci beaucoup de nous suivre sur le grand rendez-vous ce soir. Nous dirons tout simplement que l'abeille, oui, on va parler de l'abeille. L'abeille, on a peur bien sûr de ses piqûres, bien que l'insecte rend agréable les papilles gustatives avec du miel. Ben, ce soir, l'invité du monde agricole nous dira que l'abeille peut donner plus que du miel. Et donc, une ressource mal exploitée, sinon exploitée à un degré très très minimum. On nous dira tout à l'heure l'invité du monde agricole. Alors, tous les habitants de la Terre ont les regards fixés sur l'avenir. Et pourquoi? On se demande en réalité si les générations à venir pourront-ils vraiment satisfaire leurs besoins. Avoir les effets du réchauffement climatique, c'est donc le moment de changer de comportement et de s'adapter, nous dira l'invité de Nature et Bien-être de ce grand rendez-vous. On parlera également de stylisme et de modéliste. Oui, styliste et modéliste, deux statuts qui appartiennent à un même secteur, celui de la création en habillement. Mais avec l'invité de Autant Savoir, nous allons démontrer, mesdames et messieurs, comment styliste et modéliste se complètent tout simplement. On parlera également d'entrepreneuriat, entrepreneuriat féminin pour autonomiser les femmes. C'est cela en réalité, mesdames et messieurs. Restez donc avec nous, avec l'expert de ce grand rendez-vous pour parler de l'entrepreneuriat dans le genre lié bien évidemment à la femme. Mesdames et messieurs, n'oubliez surtout pas aussi le journal qui viendra à 19h45 exactement et ce sera avec Estelle Espérance, Aurore Pazou qu'on retrouve ce lundi. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous, Assium Simplice Gaba. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère qu'elle a bien démarré à votre niveau. Vous êtes venu ce soir avec quel menu du grand rendez-vous, 19h45? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Bénin, il y a de moins en moins de candidats à l'examen du baccalauréat. Une situation qui s'explique par les réformes du gouvernement dans le secteur de l'éducation. Le directeur de l'Office du bac nous en parle. Chargement hors gabarit ou surcharge, à quelques ressemblances près, les deux thèmes ont différentes significations. Soline Ocri apporte la précision et parle des peines encourues. Et puis, tout bon exploitant agricole qui détient au moins 7 hectares doit disposer d'un plan d'aménagement. Un ingénieur agronome nous dit pourquoi et bien évidemment, ce sera à 19h45. Alors, en attendant donc de vous retrouver, Estelle Pazou, pour le développement de ce titre, nous allons inviter sur ce plateau du grand rendez-vous un apiculteur. Vous aimez le miel, vous, Estelle? Pas vraiment.
Ah, pas vraiment. Non, pas beaucoup. Vous préférez le sucre? Et oui, ça. Je préfère le sucre. Il faut dire que le miel, j'en ai gardé un mauvais souvenir. Donc, d'accord. Donc, j'aime pas trop. Je vois. En tout cas, c'est les abeilles qui produisent du miel. Et tout à l'heure, sur ce plateau, vous allez apprendre beaucoup d'autres richesses qu'on peut tirer, bien évidemment, des abeilles. C'est sur Monde Agricole. Allez, bienvenue sur Monde Agricole ce soir. Il est question de parler de l'abeille. L'abeille, quand vous me voyez, essayez bien sûr de scruter, de voir quels sont les biens qu'on peut tirer de cet insecte dont on a peur des piqûres, bien évidemment. Alors, on suit d'abord ce reportage. On revient bien évidemment en plateau pour vous en parler. Je suis allé sur le terrain, j'ai collecté quelques abeilles. Dans chaque colonie, j'ai pris une cinquantaine. Au microscope, qu'est-ce que j'ai remarqué déjà? Qu'il y avait une différence entre nos abeilles. Dans une ruche comme ça, vous pouvez avoir peut-être 10 à 11 différentes sortes d'abeilles qui vivent ensemble, qui s'entraident et qui permettent la pollinisation. La différence se trouve surtout au niveau des colonies. Pour finir, sur le plan morphologique, j'ai quand même remarqué qu'on a 10 sortes d'abeilles et quand j'ai prélevé leur ADN, biologie moléculaire, l'ADN, j'ai prélevé l'ADN pour voir sur le plan génétique qu'est-ce qui se passe. Là, j'ai vu qu'on a quand même 7 à 8 différentes sortes d'abeilles dans nos colonies au Bénin. Les abeilles, plus ils sont différents, plus chaque abeille a son rôle à jouer. Il y avait une étude antécédente qui avait étudié un peu les abeilles dans les forêts et les savanes du Bénin. Et l'étude là avait remarqué que quoi? Que dans nos forêts, nous avons de petites abeilles jaunes, très agressives et qui donnent plus de miel. Et dans les savanes, on a des abeilles grosses, noires, qui produisent moins de miel que les jaunes. Et ça, c'est un avantage. Ah, on a l'impression que quand l'abeille pique plus, que ça donne plus de miel. Et pourtant, on a peur de ces piqûres. On a sur ce plateau un apiculteur, Olivier Ekponekon. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes ami des abeilles, c'est ça? Bien sûr. Ah oui, puisque vous nous aidez à tirer le maximum de bien qu'il y a, bien sûr, au niveau de ces insectes-là. Merci beaucoup à vous, Martial Gbetoro, d'avoir mis toutes vos relations en marche pour nous dénicher M. Ekponekon, un ami des abeilles, sur ce plateau, qui va nous parler des abeilles, paraît-il, qu'on peut tirer plus que du miel au niveau des abeilles. Bien sûr, mais merci aussi à Karamata Gbetoro, puisqu'elle m'a aidé à avoir l'invité du jour. Donc, je tenais quand même à lui dire merci. Ah oui. Asium Gamba, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Amis téléspectateurs, bonsoir. Alors, il est question aujourd'hui de parler des abeilles. Il paraît qu'elles sont définies comme une source de richesse sous-exploitée. Exactement, malgré la piqûre qui paraît mal, et très mal, qui fait mal, hein, la piqûre de l'abeille, il y a quand même des avantages liés à cet insecte-là que nous allons essayer de voir aujourd'hui avec l'invité Olivier Ekponekon. Vous êtes ingénieur agronome, mais vous êtes beaucoup plus dans l'apiculture. Vous avez l'habitude de travailler avec les abeilles. Et surtout qu'aujourd'hui, hein, Asium Gamba, le 20 mai, est retenu pour la journée nationale de l'abeille. Oui, la journée mondiale. Mondiale, d'accord. On connaît cette journée. Une journée mondiale de l'abeille parce que comme vous l'avez dit, c'est un insecte qui a un fort potentiel et c'est connu mondialement maintenant qu'il faut mettre le nécessaire afin de préserver cette abeille. D'accord. Ou ces espèces d'abeilles. Alors déjà dans l'extrait que nous avons eu, on a parlé de deux types d'abeilles, l'abeille jaune, l'abeille noire. Est-ce que vous confirmez déjà ça? Oui, justement. Il existe au Bénin deux sortes d'abeilles, et l'abeille jaune et celle dite de couleur noire. Seulement, je voudrais souligner que quand on parle d'abeilles, le nom scientifique c'est Apis mellifera indica. Apis mellifera.
indica. Bon, retenons abeille. Indica. Oui, Mellifera pour dire que nous avons plusieurs espèces, 20 000 espèces d'abeilles. Mais au Bénin, c'est cette espèce-là qui est celle qui nous produit du miel. Mellifera pour dire que c'est les espèces mellifères, les plantes qui sont utilisées essentiellement pour la collecte du pollen, le nectar, afin de faciliter la production dans les ruches. Et donc au nord, je profite en même temps pour signaler que c'est au nord qu'on rencontre plus les insectes, les abeilles qui sont de petite taille. Okay. Et celles-là étant agressives parce qu'il faut défendre et se protéger, et donc lutter contre les différents nuisibles, elles du moins et sont plus agressives, mais elles produisent plus de miel également. Okay. Quand nous descendons un peu vers le centre, où on a celle qui est un peu plus noire, au centre du pays, elles produisent moins de miel, mais moins agressives. Elles attaquent moins. C'est au gaba avec la piqûre. Plus ça attaque, plus ça produit du miel. En tout cas, l'ingénieur nous le dira tout à l'heure. Mais déjà, qu'est-ce qui attire plus les abeilles jaunes dans le nord? Est-ce qu'il y a des facteurs qui définissent... Qui favorisent leur présence, voilà, en fait, là-bas? Leur présence, bon, du point de vue écologique, il faut dire que l'abeille est productive dans un milieu où il ne fait pas total, dans une zone moins humide où il ne fait pas aussi totalement chaud. Et au nord, il y a une forte disponibilité de ressources mellifères. Comme je le disais tantôt, c'est une région ensoleillée quand même. Et compte tenu de la disponibilité de ressources mellifères, elles ont cette possibilité-là de pouvoir produire en quantité. Mais il y a beaucoup plus de plantes au nord, c'est ça? Oui, des plantes, forêts. Mais il faut mettre l'accent sur les plantes mellifères. Okay. Quand on parle il y a aussi les savanes, ce n'est pas forcément les forêts seules, parce qu'en savane, on retrouve des ressources mellifères, même des fleurs. Les fleurs sont considérées comme ressources mellifères et donc ce n'est pas seulement les arbres. D'accord. Alors déjà, on fait bien la différence, hein, entre l'abeille jaune et l'abeille noire. Oui. Mais quand on parle de colonies d'abeilles et de ruches d'abeilles, est-ce la même chose? Non, pas forcément. Pas forcément. Quand on parle de colonies d'abeilles, c'est l'ensemble qui regroupe la reine, les ouvrières et puis les faux boudins. Bon, vous allez nous expliquer chaque expression que vous venez d'employer dans le système d'abeilles pour qu'on puisse comprendre. D'accord. Donc, quand nous prenons ces trois types d'abeilles qui peuplent un milieu donné et qui restent pour produire le miel et les autres produits de ruche, le pollen, propolis et autres, on parle de colonie. Okay. Et donc, on peut retrouver une colonie dans une ruche, qu'elle soit moderne ou traditionnelle. Parce qu'au départ, comprenons que c'est les troncs d'arbres qui servaient de colonies, de réceptacles pour les abeilles. Pardon. Et donc, parlant de colonies, c'est déjà cet ensemble-là, se retrouvant dans une ruche, qu'elle soit moderne ou traditionnelle. Alors, on aurait appris, hein, qu'à part le miel, l'abeille produit beaucoup d'autres richesses. Quels sont ces produits-là, hein, qu'on peut tirer vraiment des abeilles? Oui, comme je le disais tantôt, nous avons le pollen. La difficulté est que la culture de l'abeille, l'apiculture, n'est pas encore si développée. D'accord. Lorsque je veux produire du miel, j'ai de la facilité à obtenir une grande quantité de miel que de vouloir produire du pollen. Et les autres produits qu'on peut encore tirer de l'apiculture sont tels que la propolis, la gelée royale, qui ont une forte valeur nutritive pour les enfants. D'accord. Avant d'en venir aux valeurs nutritives, je veux savoir, hein, est-ce que je peux faire l'apiculture sans faire de la culture, de la production du miel? Est-ce que je peux décider d'élever que les abeilles sans pour autant produire du miel? Oui, si c'est votre envie, il n'y a pas de problème. Parce que les abeilles, comme je le disais tantôt, elles ne sont pas pour autant agressives. Lorsqu'on ne les provoque pas, elles ne piquent pas. C'est ça. Et donc, si vous décidez d'avoir même une ruche derrière votre maison, vous pouvez l'installer. Il est vrai qu'au Bénin... Cohabiter avec les abeilles. Oui, il est vrai qu'au Bénin, l'activité... Les abeilles ne sont pas totalement domestiquées. Lorsque nous allons en Europe, ils ont cette avancée-là qui leur ont permis déjà d'avoir même des ruches dans des vergers. Et parce que l'autre rôle qu'il faut reconnaître à l'abeille, c'est son grand rôle de pollinisateur.
Et donc, les abeilles aujourd'hui, ou bien dans le monde entier, sont des insectes qui jouent un grand rôle écologique. Grâce à ces abeilles, pendant qu'elles butinent les fleurs des plantes, au même moment, elles contribuent à leur pollinisation. Et donc, quelqu'un qui a des ruches d'abeilles dans son verger aura des fruits de bonne qualité. Donc, sans quoi, sans les abeilles, il n'y a pas de pollinisation. Les plantes ne produisent pas des fruits. Les plantes font produire des fruits, mais ce qu'il faut reconnaître est que les abeilles font partie des pollinisateurs qui sont les plus reconnus. Parce qu'il y a d'autres pollinisateurs, le vent aussi peut contribuer à la pollinisation. Alors, quand vous parlez de pollinisation, c'est quoi exactement? La pollinisation, le rôle là, oui. La pollinisation, c'est juste une fécondation qui se réalise au niveau des fleurs. Et l'abeille, quand elle butine, elle apporte l'élément mâle qui n'est rien d'autre que le pollen. Le pollen. Alors, moi, je veux savoir, hein, au Bénin, est-ce que l'apiculture est réelle? Puisque tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas trop développé. C'est lié à quoi, hein, le sous-développement au niveau du secteur? Oui, merci beaucoup. C'est heureux de déclarer ici que, en temps, l'apiculture était considérée comme une filière qui est très peu connue. Et depuis quelques mois maintenant, je crois très bien que le ministère de l'Agriculture a reconnu cette activité comme étant une agriculture conventionnelle. Cela suppose que quoi? Il y avait ce problème au départ parce que les gens chassaient les abeilles. Ils chassaient le miel. C'est pour ça, généralement, les gens disent que le miel du Nord, c'est du bon miel, sans chercher à comprendre aussi, au fait, les problèmes y afférents. Et donc, il y a ce retard-là parce qu'au départ, le gouvernement n'avait pas encore développé cette politique d'accompagnement. Et donc, il y a ces apiculteurs qui n'installent que des ruches et donc n'ont pas la grande technicité qu'il faut pour pouvoir produire. Alors, très rapidement, avant de finir, est-ce que vous pensez... Non, c'est fini. On n'a vraiment plus le temps d'y aller, Marcel. Je vais juste demander une faveur avec Yasmine Damata. Est-ce que vous pensez que le miel produit au Bénin sur toute l'étendue du territoire national est de bonne qualité? Je sais que vous n'êtes pas qualiticien, mais en tant qu'ingénieur agronome. Le miel produit au Bénin n'est pas totalement de bonne qualité. Ok, on l'aurait compris. Merci beaucoup. On va y revenir. Merci beaucoup à vous, Marcel de Toro. À très, très bientôt. Ce sera tout pour Monde Agricole de ce soir. Nous allons continuer, mesdames et messieurs, avec vous, là tout droit, dans le salon de couture, si vous voulez, ou du styliste, modéliste. C'est signé, bien sûr, Fidien Serre-Montondi. Oui, on va dans son salon aujourd'hui pour parler stylisme et modéliste. Ah oui, on dirait qu'on se retrouverait ce soir dans le salon de Fulgien Siamontondi, mais plutôt, c'est sûr, autant savoir que ça va se faire aujourd'hui. On vous parlera, mesdames et messieurs, de stylistes et modélistes de statut qui se complètent dans le secteur de la création habillement. Mesdames et messieurs, on revient bien sûr sur la question tout à l'heure pour que vous puissiez voir en réalité comment est-ce que ces deux statuts-là se complètent. On suit d'abord le reportage et on revient. Couturières et brodeuses, des artisanes qui se complètent. Une couturière découpe et coud les tissus. Une brodeuse décore à l'aide des dessins des tenues déjà cousues par les couturières. Des brodeuses et des couturiers ont été sélectionnés par le ministère de la Famille et de la Promotion sociale pour se perfectionner et renforcer leur savoir-faire. Nos clients vont gagner le meilleur de ce que nous venons d'apprendre. C'est vrai qu'un temps, on arrivait à les satisfaire, mais maintenant, ce sera encore le meilleur des meilleurs. Je me suis dit, ce serait un retour triomphal pour moi dans mon atelier où, avec ce que j'ai appris ici, je vais corriger un tout petit peu mes petites erreurs que je commettais dans le travail. Nous avons des formateurs qui sont bien doués à la tâche et qui ne ménagent pas du tout d'efforts pour nous montrer et nous approfondir ce que nous connaissons déjà. Et avec ça, je crois qu'au retour dans nos ateliers respectifs, on pourra donner le meilleur de nous-mêmes. Ce qu'on ne faisait pas avant, on va l'améliorer avec nos apprentis et les clients seront aussi satisfaits de ce que nous aurons fait.
Ce programme est dirigé par des formateurs béninois qui ont accumulé des années d'expérience en la matière. L'offre va être améliorée et c'est la clientèle qui en profite. Cette formation, ça m'a beaucoup aidée parce que dans mon travail, à des moments donnés, je commettais des erreurs. Donc avec le formateur, il nous a aidés à nous montrer certains points clés de notre métier. Cette formation est une bonne opportunité qui nous permet de nous perfectionner plus, beaucoup plus. Parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrisait pas trop. Ces couturières et brodeuses promettent donner le meilleur d'elles-mêmes pour la satisfaction de leur clientèle. Alors, entre couturière et brodeuse, qui est styliste, qui est modéliste? On verra ça dans un instant avec Félicien Rolenou. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Autant Savoir, sur le grand rendez-vous pour parler de cette complémentarité entre styliste et modéliste. Bonsoir, Félicien Serbontondi. Bonsoir à Sioma. Vous êtes styliste, c'est ça? Non, ni l'un ni l'autre. Vous êtes nouveau style ce soir. Ah, merci. C'est parti, c'est une création. Ah, c'est une création. C'est une création. Mode. C'est une mode bien baptisée, ouais. Ah oui. Ouais. Et là, on peut dire que c'est le travail d'un styliste et d'un modéliste. C'est le travail d'un styliste. Et d'un modéliste. C'est le travail d'un styliste et d'un modéliste. Ok. Ah, oui, ça a donné tout son résultat. Ah oui. Super beau résultat, en tout cas. Merci beaucoup. Allez, il est donc question aujourd'hui de parler de complémentarité entre styliste et modéliste. Tout à fait. Et je m'en vais poser la première question à mon invité. Avant toute chose, dites-nous, quel est le rôle que jouent ces deux corps de métier dans le secteur de la mode? Bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous me recevez en ce moment. Alors, Casterman, je suis un créateur de mood béninois. Okay. Je suis un styliste modéliste. Ah oui. Alors, un styliste modéliste, pourquoi ma personne a jumelé les deux? C'est parce que je me sens très à l'aise dans ces deux portefeuilles que je les exerce. Mm-hmm. Voilà. Alors, quel est le rôle du styliste? Que fait le styliste? Alors, un styliste est là pour des tracés, des croquis. En un mot, le stylisme, c'est de la géométrie. Le styliste ne peut pas tenir perle de ciseaux et découper un tissu. Ah, d'accord. Non, le styliste ne peut pas tenir perle de ciseaux et découper un tissu. Ah oui. Oui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Un styliste dans une maison de mode est là pour proposer des croquis suite à des tissus qui sont devant lui. On ne crée pas parce qu'il faut créer. Forcément, tu dois avoir des trucs devant toi qui vont t'inspirer et la morphologie de celui ou celle qui est devant toi que tu veux habiller. Okay. Le styliste, après avoir proposé des croquis dans ces tissus-là, remet au modéliste. Et c'est le modéliste qui coupe maintenant. Et c'est le modéliste maintenant qui coupe, qui donne vie maintenant à ce que le styliste a dessiné. Alors, si je comprends bien, même au niveau des brodeurs, on a suivi le reportage tout à l'heure, au niveau de ces brodeuses-là, ça dit qu'il doit avoir aussi des stylistes brodeurs. En temps normal. En temps normal. C'est ça. Donc, il fait le dessin, il fait le croquis. Voilà. En temps normal, c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, au passage entre griffes, les stylistes, on les traite toujours de cher. On dit, je vais m'habiller chez un styliste. On dit, je ne peux pas aller, il coûte cher. Styliste, ce sont des pièces uniques. Mm-hmm. Voilà. Et même si entre-temps, vous êtes constitué en 6 groupes ou 12 s'il le faut, vous allez me voir avec le même tissu pour un truc de cérémonie. Autant que vous êtes, vous n'avez pas les mêmes morphologies, vous n'avez pas les mêmes teints et tout ce qu'il faut. Donc, ce qu'entre-temps, X peut porter ne peut pas forcément aller à Y. Donc, c'est en fonction de tout cela qu'on constate qu'il y a la cherté au niveau des créateurs de mode. Bien sûr, votre tenue qu'on va vous faire porter, vous ne la verrez pas, vous ne la verrez nulle part ailleurs. C'est l'œuvre de l'artisan. Voilà. Ok. Pour une seule tenue, peut vous prendre 200, 300, voire 500 000. Si vous avez les moyens, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, est-ce que moi, par exemple, je peux me lever et dire, voilà, je suis styliste, ou il faut nécessairement aller vers une école pour faire une formation?
Non, je ne vous le conseille pas. Ne le faites pas. Et vous qui m'attendez maintenant, qui aimez bien ce métier, ne le faites pas. Devenir styliste, modéliste, il faut aller à son école. Oui, il faut aller à son école, l'apprendre sur papier et sur les machines. Et sur les machines. Voilà. Ok, donc le styliste, c'est lui qui fait les croquis et de remet maintenant au modéliste qui coupe maintenant bien le modèle. Sûr, qui donne vie à ce modèle-là que le styliste a dessiné. A dessiné. Alors, c'est comme je vais entre vous parler et le maçon. De ma personne oui. à moi, oui. je suis un styliste modéliste. Oui, vous pouvez donc on peut toutefois combiner les deux. Exercer les deux les à deux. La fois. Ok. Alors, je dessine et je coupe. Généralement, pour des maisons de mode qui travaillent très souvent avec les stylistes, ce sont des gens qui n'ont pas fait des études de mode, mais qui sont très passionnés, mais qui ont que dans leur veine, il y a le sang de la mode qui coule. Voilà. Il y a des gens qui sont des autodidactes, qui n'ont jamais suivi des formations. Mais qui excellent. Qui ont leur magasin de mode, qui travaillent correctement. Voilà, vous engagez ces gens-là à côté de vous, qui vont vous accompagner et vous aurez les résultats. L'autre chose, c'est une affaire d'organisation. Et puis, je crois qu'il n'y aura pas de blocage. Vous êtes autodidacte, c'est tout à fait normal. Mais essayez de vous inscrire quelque part pour pouvoir acquérir quelques notions de B.A.B.A. Voilà. Et là, moi, je me demande, en termes de formation, est-ce que le styliste et le modéliste suivent en même temps la même formation? Mais c'est différent. Oui, la même formation. La même formation. Du côté du styliste, surtout, c'est les croquis, apprendre à dessiner. Et du côté du modéliste, apprendre à découper. Ce qui est très, très, très difficile. Et le couturier, lui, il coupe. Et le couturier aussi, c'est autre monde. C'est autre monde. C'est autre département aussi. Voilà. Le couturier qui a son atelier, vous allez chez lui. Arrivé chez lui, il vous sort des catalogues. Vous feuilletez, il vous dit, c'est ça qui me plaît. Ça là qui lui plaît, vous lui reproduisez exactement ça. C'est le couturier. Lui, il ne se casse pas la tête. Dis-moi ce que tu veux, montre-moi ce que tu veux. Et il te sort ça. Celui qui court, lui, on l'appelle un piqueur. Okay. Lui aussi, il n'a pas le courage de tenir paire de ciseaux. Vous faites la coupe, vous lui déposez ça, croquis là qui est sur papier là, et déjà il sait ce que vous lui demandez. Et il essaie de faire le montage de la coupe qui est à côté de lui. Lui, il a un piqueur. Ah là, c'est toute une école. Il y a piqueur, voyez-vous? Il y a couturier, il y a brodeur, il y a styliste, il y a modéliste. Il y a tout ça. Vous avez votre atelier pour une très bonne fonctionnement de cet atelier. Il vous faut tous ces départements-là. Vous deviez avoir des accessoiristes, des gens pour décorer des habits, des brodeurs, des piqueurs, des repasseurs, des finisseurs. Oui. Il y a tout ça. Alors, on comprend que, vous voyez, là, on parle souvent des uniformes. On dit, bon, vous faites leur chemise et pantalon. Ouais. Faites leur chemise et pantalon. Ouais. Et puis, bon, tout le monde est en chemise et pantalon. On voit même les gros qui sont bien dedans, sûr, les minces qui sont les moyens, qui voilà. sont les... Mais du coup, voilà. ça ne va pas avec tout le monde. Ça va pas avec donc, tout si on le va monde. Chez le styliste, c'est que bon, pour il les personnes... quoi vous conseiller. Voilà. Un styliste, modéliste, c'est un habilleur conseil. Voilà. Alors, il pourra vous suivre, vous dire, voyez, votre, il pourra votre vous morphologie. Suivre. Voilà, voilà ce que vous pouvez porter. Voilà, un monsieur que vous croisez dans la ville qui a mis son pantalon noir, une belle chemise toute blanche, et puis il met chaussettes jaunes en bas. Ah non, là, c'est porté atteinte c'est à la mode. Mais ouais. des fois, il faut casser aussi les codes. Hein. Ils vont vous non, dire, non, vont vous dire faut, écoutez, il ne faut pas casser pour casser. Messieurs, dames, la mode, c'est un monde vraiment vaste. Oui. C'est vrai. Les gens s'habillent très, très mal. Au Bénin. Au Bénin. Ça, je peux oser le dire. Les gens s'habillent très mal. On a un problème de couleur. Comment est-ce qu'il faut les agencer? Oui. Alors, vous le styliste modéliste va bien beaucoup de son habit qu'il va vous livrer. Mais vous qui voulez la porter, merci de bien accessoiriser l'habit que je vous ai livré. Sinon, mon habit risque de passer à côté. Alors Casteman, vous venez de soulever un problème, hein, problème de formation. Aujourd'hui, on va chez le couturier. Vous dites, voilà, je veux tel modèle. De... Vous allez, on vous dit de remettre, vous portez. On vous dit, ça ne va pas, il faut resserrer de tel côté.
ce problème, on endure tout ça. Les retouches à un point fini. Ou bien vous allez, on vous dit, venez dans une semaine, vous allez, donc, on vous dit, c'est pas encore prêt, revenez dans deux semaines encore et tout, quoi. Oui, je ne sais pas si vous aurez deux heures de temps à faire avec moi, sinon j'aurai le temps de vous élargir tout ça. Là, c'est un travail vraiment de longue date. Là, on va vous conseiller les de revenir très de prochainement. Les créateurs de Maud au Bénin, oui. On s'est mis en association déjà pour pouvoir assainir ce milieu-là et mettre de l'ordre dans le désordre. Dans le désordre. Pour que tout aille bien. D'accord, merci beaucoup à vous. Castemande, merci d'être venu sur ce plateau. Merci, ce fut un plaisir. Vraiment. Ouais, bonsoir et bonne soirée à vous. Hein. Merci beaucoup. Fugencia, à très très bientôt. On va vous retrouver demain dans le salon. Hein. Salon de beauté. Demain dans le salon de beauté, ouais. On va se retrouver. Merci beaucoup. Allez. C'était Autant Savoir. Le grand rendez-vous va continuer. Là, on sort carrément du salon de Fugencia. On se retrouve dans la nature. Oui, on va parler biodiversité et les regards fixés sur l'avenir, la satisfaction des besoins des générations à venir. Il faut parler de la biodiversité tout simplement. Nature et bien-être ce soir, nous parlons de la biodiversité avec une interrogation. Vu vraiment le réchauffement, les effets du réchauffement climatique, tout le monde se demande, est-ce que les générations à venir pourront vraiment satisfaire leurs besoins? Ah oui, c'est le moment de changer de paradigme, changer de comportement, s'adapter également pour assurer l'avenir, protéger la biodiversité. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon pratique? On en parle dans un instant. Suivons d'abord le reportage. C'est un écosystème qui regroupe plusieurs espèces animales, végétales, de même que des micro-organismes. La biodiversité représente à ce jour la seule ressource permettant à l'homme de satisfaire ses besoins fondamentaux. La biodiversité sert à protéger, sert à conserver, sert à l'approvisionnement. Il y a des éléments de la biodiversité que nous mangeons. Je dis nous mangeons, je parle des hommes, des animaux. Il y a des éléments de la biodiversité que nous utilisons pour nous soigner, par exemple. Elle est malheureusement menacée aujourd'hui du fait du changement climatique, de la forte pression démographique et surtout des activités humaines. Dans aucun pays du monde, la biodiversité ne se porte mieux. Je le dis parce que les gens ont besoin de la ressource pour vivre. De ce fait, ils font de la collection, ils font des prélèvements, plus la population augmente, plus l'exploitation prend d'ampleur. Et quand l'exploitation prend d'ampleur, la biodiversité prend un coup. La biodiversité est célébrée chaque 22 mai dans le monde entier. Pour sa 25e commémoration, elle est placée cette année sous le thème « 25 ans de célébration des actions pour la biodiversité ». En un quart de siècle, de nombreuses dispositions ont été prises au Bénin pour maintenir les espèces menacées de disparition. D'abord, le Bénin a commencé depuis 1992 à initier des projets de conservation des forêts, à initier des projets de conservation des eaux humides. Et le Bénin a mis en place, déjà en 2003, une stratégie qui a été revue en 2010 pour permettre aux gens de travailler selon les objectifs internationaux. Il y a des espèces qui ont disparu pratiquement ou qui sont en voie de disparition. Le gouvernement a dit, niet, on ne touche plus à ça. Le gouvernement a mis en place un programme qui permet de faire moins de charbon, par exemple. Le Bénin compte plus de 2800 espèces de plantes, un peu moins de 600 espèces d'oiseaux et 84 espèces de reptiles. Chaque citoyen a son rôle à jouer pour leur conservation. Tout ce que nous rejetons, nous rejetons comme ça, tout ça, ça va dans les lagunes et tout ça, ça va dans la mer. Et ça donne de la pollution des eaux. Donc j'invite chacun de nous à dire non, il vaut mieux ne pas polluer l'eau. L'autre chose aussi, j'invite les maires, c'est-à-dire les collectivités, à intégrer dans leur programme la biodiversité. Mais l'autre élément, c'est que la jeune génération, les élèves, les écoliers, voilà la cible qu'on doit utiliser pour que demain soit encore meilleur pour cette biodiversité dont nous vivons. La biodiversité nous concerne au premier chef.
car la biodiversité, c'est nous, nous et tout ce qui vit sur Terre. Merci beaucoup à Rodrigue Babagbeto pour ce reportage. Retour en plateau avec M. Khairi Guétan qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage. Vous êtes défenseur de la biodiversité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir, Roch Aurélien Akwaino. Bonsoir, Assium Simplice Gaba. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous avez déjà commencé à présenter notre invité, monsieur Khairi Guétan. J'espère que je l'ai bien prononcé. Oui, c'est bien ça. Voilà. Et dans Nature et Bien-être, aujourd'hui, nous allons parler de la biodiversité qui est en disparition progressive. Alors, déjà, dites-nous, c'est quoi la biodiversité? Je vous remercie, monsieur le journaliste. La biodiversité a une définition très, très simple. C'est la diversité des espèces, la diversité des écosystèmes et la diversité des gènes. Plus simple encore, quand nous prenons par exemple les forêts, oui. Quand nous prenons par exemple l'eau, la rivière, la mer, ainsi de suite, c'est une diversité. La forêt un peu différente de la rivière, un peu différente de l'océan, différente du marécage, déjà une diversité, oui. D'écosystèmes. Tout à fait. Nous prenons les oiseaux, les mammifères, pour ne pas dire les antilopes, les reptiles, les serpents ou bien les crocodiles, c'est déjà une diversité. Mmh. Ensuite, à l'intérieur des crocodiles, par exemple, ou bien à l'intérieur des oiseaux, nous avons différents types d'oiseaux. Déjà là, une diversité, c'est encore une diversité des gènes. Wow. Mais pourquoi parle-t-on de biodiversité? Vous avez parlé de la diversité, mais quand on associe bio, pourquoi? On associe bio parce que ça voudrait simplement dire la vie. Ah, okay. Quand nous prenons les écosystèmes, au niveau des écosystèmes, ça vit. Et il y a de la microfaune, il y a des éléments qui font que cet écosystème vit. Quand nous prenons les animaux, tous les animaux vivent. Les plantes respirent. Même si les plantes ne bougent pas, ce ne sont que les animaux qui Donc, bougent. Donc, en somme, c'est tout ce qui vit sur Terre. Exactement. Et dans les eaux. Tout ce qui vit sur Terre et dans les eaux. Tout à fait. Alors, en quoi cette disparition de la biodiversité constitue une menace pour la vie? Cette disparition de la biodiversité constitue une très très grande menace pour la vie, pour notre survie, surtout sur cette terre et dans les autres écosystèmes, parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous mangeons, tout ce dont nous vivons proviennent de cette biodiversité. Tout à fait. Le bel exemple, c'est quoi? Cette année, par exemple, le thème de cette année, c'est notre biodiversité, notre nourriture, notre santé. On ne doit pas seulement se dire que la biodiversité, parce que beaucoup pensent que quand on dit biodiversité, c'est seulement les forêts, les animaux. Non. Mais on s'assoit sur quoi? Sur un banc. Le banc provient de quoi? D'un arbre. D'un arbre. On va manger. Ce qu'on mange, soit... Ça peut provenir de l'eau, ça peut provenir de la forêt. Il y a de la protéine dedans. Mais la terre, si la terre... La biodiversité qui se trouve dans la terre n'est pas bien entretenue, la production agricole va prendre un coup. En ce moment, c'est nos populations qui perdons progressivement. Tout à fait. Et par la suite, c'est la génération future qui ne pourra pas être dans un état très adéquat, dans un état bien positionné pour continuer ce que nous faisons. Alors, et quel est l'état de la biodiversité au Bénin? On annonce une extinction de plusieurs espèces. La situation est-elle aussi criarde au Bénin? Oui, je dirais que la situation, elle est criarde au Bénin. Même si nous n'avons pas, à mon humble avis, aujourd'hui, nous n'avons pas des chiffres directs pour avancer. C'est aussi criard. En ce sens que... On a quand même entendu tout à l'heure dans le reportage 84 reptiles, beaucoup d'autres espèces. Qui oui, 84 même... espèces de reptiles. Oui. Oui, mais ce nombre, je pense que pour les dernières informations que j'ai, nous n'avons pas encore effectué la mise à jour. C'est un nombre qui provient d'un document qui a été rédigé par certains scientifiques. Donc, il urge peut-être de mettre ensemble tous les spécialistes qui travaillent au niveau de la biodiversité, tous ceux qui œuvrent pour une meilleure connaissance de cette biodiversité, pour essayer de revoir un peu... Seriez-vous en train de dire qu'il y a moins de reptiles aujourd'hui au Bénin? Il peut y avoir moins, il peut y avoir plus que ce nombre, mais on ne le sait pas.
pour le moment. Donc c'est pour dire quoi? L'état de la biodiversité aujourd'hui a vraiment des problèmes. Parce que chaque jour qui passe, la dégradation continue. Et plus la dégradation continue, il y a peut-être des espèces qui n'ont pas encore été identifiées pour le Bénin, qui peuvent partir, qui peuvent disparaître à travers cette dégradation. Il y a encore des espèces qu'on n'a pas encore identifiées, qui sont encore dans la nature. Voilà. Donc, c'est un travail de longue haleine. Mais dans le même temps, c'est un travail qui mérite qu'on actualise, qu'on rassemble tous ceux qui travaillent dans le domaine pour avoir des informations sur ce qui a été déjà fait et ce qui reste à faire. Et justement, ça me permet de vous demander ce que vous faites actuellement, vous, en tant que chargé du suivi de la biodiversité, pour la préservation de la biodiversité, surtout au Bénin, puisque nous sommes au Bénin. Oui, ma modeste personne, à travers l'organisation dans laquelle je travaille, essaie de faire le mieux qu'il peut, en ce sens que nous travaillons, nous intervenons sur un territoire au niveau du Bénin, beaucoup plus dans le département de l'Atlantique. Donc la première chose que nous faisons, c'est d'arriver à connaître la biodiversité sur le territoire sur lequel nous intervenons. Ensuite, nous travaillons avec certaines ONG. Nous les aidons, nous les amenons à comprendre qu'il faut non seulement travailler pour l'environnement, mais il faut surtout connaître cette biodiversité. Ensuite, quand on la connaît, il faut partager l'information. Parce que quand moi, je sais que chez moi, il y a telle chose et que je ne partage pas l'information, l'autre, sur son territoire ou bien de son côté, ne saura pas que telle chose existe encore. Donc, il faut partager l'information. Ensuite, partager l'information à l'interne, mais aussi monter cette information jusqu'à ce que ceux qui sont à l'extérieur, dans le monde entier, prennent connaissance de ce que nous avons chez nous. Et plus on va partager l'information entre nous, aussi bien les chercheurs à l'université, les ONG, aussi bien les institutions de l'État. Les populations aussi. Les populations, oui, parce que quand j'estime que quand vous travaillez sur un territoire, vous avez le droit, vous avez l'obligation de partager cette information d'abord à la base. Donc après la base, on va essayer de remonter. Donc plus les gens ont cette information sur ce que vous avez, non seulement on va s'intéresser à vous, mais ensuite vous allez faire de lobbying, de plaidoyer auprès non seulement des autorités locales, mais aussi des autorités étatiques pour les amener à réorganiser peut-être ou bien à réorienter peut-être leur plan de gestion, mais leur plan d'élaboration de, je dirais, des objectifs, de développement durable. Je vois donc les politiques. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, on communique moins sur ces aspects-là de la biodiversité que les menaces continuent et persistent? Bon, je ne dirais pas qu'on communique moins, mais j'estime qu'on peut communiquer plus que ce que nous faisons déjà. La belle preuve, tout à l'heure, j'ai dit le nombre avancé par le journaliste, ce nombre peut-être à la date d'aujourd'hui moins ou plus. Mais pour en savoir, il faut quand même étendre les actions, les collecter et faire la mise. Il y a moins d'actions donc. Il y a moins d'actions aujourd'hui. Oui, il y a moins d'actions dans ce sens. Il y a moins d'actions. Oui, on peut le dire ainsi. Mais au niveau gouvernemental, nous devons quand même les amener à s'intéresser à ce que. Et est-ce que vous associez les jeunes apprenants à vos séances de sensibilisation? Oui, les jeunes apprenants sont très associés à ça. Chez nous, par exemple, nous les utilisons, ces apprenants, dans le club que nous appelons « Connaître et protéger la nature ». Mais sur notre site, nous recevons beaucoup d'élèves, d'écoliers en visite. Il y a d'autres ONG aussi qui font la même chose. Je prends le cas de Nature Tropicale avec son musée et d'autres structures qui reçoivent les élèves toujours pour des sorties pédagogiques, pour les entretenir sur ce que c'est que la biodiversité, notre environnement et qu'est-ce qu'on doit faire pour que demain soit toujours pour nous. Alors, dites-nous rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est vrai que c'est parti. C'est parti, hein? C'est parti, Jean-Roch. Bon, d'accord, ok. Merci à vous, hein, monsieur Georges Redé. Redé Gouetan. Ouais. Voilà, d'être passé dans cette émission, nous parler de ce qu'est la biodiversité, de l'importance de la préserver parce que notre vie en dépend, assume. En tout cas, j'aimais bien la façon dont vous avez détaillé, expliqué le mot biodiversité. C'est mieux compris, terre à terre. Vraiment, merci beaucoup à vous, monsieur Redé Gouetan. Merci, Roch. Merci. À très bientôt. On se rejoint tout à l'heure dans la rédaction de BB24, je dirais, même si c'est tout de suite, puisqu'il est 19h45 exactement. Estelle Pazou nous y attend.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Le taux de participation au baccalauréat est en baisse au Bénin, une situation imputable aux nombreuses réformes engagées dans le secteur pour l'assainir et éviter les échecs massifs. Chargement hors gabarit ou surcharge, qu'est-ce qui différencie ces deux termes? Quelles sont les peines encourues par les conducteurs qui s'adonnent à la pratique? Réponse dans ce journal. À partir de 7 hectares, tout producteur doit disposer d'un plan d'aménagement et de gestion, ce qui lui garantit de bonnes récoltes et donc un bon rendement. Voilà pour les titres de ce journal. L'effectif des candidats au bac est en baisse continue. Cette année non plus n'a pas dérogé à cette tendance. Un constat qui s'explique par les nombreuses réformes engagées dans le secteur de l'éducation au Bénin pour éviter les échecs massifs. Baccalauréat, tendance baissière des candidats. C'est un reportage de Amitié Sagbidi, Rebecca Adjinoku et Ulvaus Balogun. Selon les chiffres de la période allant de 2014 à 2018, on constate une baisse sensible du nombre de candidats se présentant au baccalauréat chaque année. Cette tendance s'est accentuée cette année encore avec une baisse de 6482 candidats, soit un taux de moins de 6,08%. Certains pourraient croire que c'est une désaffection. Non, c'est un assainissement. Les candidats, les parents, les candidats ont pris conscience qu'il ne faut pas aller au baccalauréat pour tenter sa chance. Ce n'est pas la loterie, c'est une compétition qui donne droit à l'entrée dans les universités pour faire des études supérieures. Nous avons, depuis quelques années, dit que le baccalauréat se prépare depuis la troisième, et pourquoi pas même depuis la sixième. Et donc on n'y va pas quand on n'est pas prêt. Cela s'explique également par les réformes engagées dans le secteur de l'enseignement secondaire. Des réformes qui assainissent désormais la participation à l'examen du baccalauréat. Il y a un arrêté interministériel en bonne et due forme qui fixe les conditions pour aller au baccalauréat en passant par les classes. Si vous sautez des classes, c'est que vous sautez des programmes. Vous sautez des savoir-faire et des savoir-être. Et lorsque vous sautez comme ça à l'université, vous aurez des difficultés à avoir votre parchemin. Une tendance baissière qui n'a aucun impact sur le déroulé de l'examen de fin d'année. Certains croient que, bon, puisque la tendance est baissière, on doit fermer, on doit... C'est qualitatif. C'est vrai, sur le plan des classes, nous avons fermé certains centres. Mais c'est pour une sélection, pour mieux faire, pour rationaliser aussi les moyens qui sont mis à notre disposition. Par contre, nous avons ouvert, pas beaucoup de centres, 3 centres, pour effectivement rapprocher les candidats de ces centres qui ont des infrastructures beaucoup plus viables. Au nombre de ces nouveaux centres qui seront ouverts pour améliorer le cadre de composition des candidats, figurent 2 centres publics à Kromi-Cité et à Thiémé et 1 centre privé. Nous sommes obligés de faire avec le public et en même temps avec le privé, avec les confessionnels pour que ceux-ci aussi soient encouragés. Donc ce n'est pas au vu des beaux yeux des chefs d'établissement que les centres sont ouverts, mais il y a des critères. En attendant la session de juin prochain pour les compositions, l'Office du baccalauréat s'active pour un examen effectif. Le chargement hors gabarit est devenu monnaie courante sur les différentes artères de la ville de Cotonou. Tricycles, motocyclistes, conducteurs de taxi, tous s'adonnent à cette pratique. Pour faire simple, certains parlent de surcharge. Mais il existe une différence entre le chargement hors gabarit et la surcharge. Soline Okri, spécialiste de la sécurité routière, nous apporte la précision et nous informe des peines encourues. Louis Koudogbo, Clotaire Aweko. C'est aujourd'hui une banalité de voir sur nos axes routiers et en pleine circulation urbaine des cas de surcharge et ou de chargement hors gabarit. Et tous les types de véhicules s'adonnent à cette posture au grand mépris des règles de la circulation ou du code de la route. Lorsque vous ne respectez pas la charge à l'essieu et que vous ne disposez pas bien les bagages dans le véhicule,
et que ça dépasse en hauteur la norme, on parle de chargement au gabarit. Lorsqu'il dépasse une hauteur de 0,5, bien que ce soit des véhicules légers, ils sont en hors gabarit. Il peut ne pas être en surcharge, mais il sera en hors gabarit. Par contre, le véhicule qui a chargé des marchandises et qui a déjà dépassé le poids total normal peut être à la fois en surcharge et en hors gabarit. La surcharge a des effets sur l'économie, sur l'homme, sur le véhicule même. Nous devons tout faire pour éviter les surcharges et les chargements hors gabarit. Surcharge, chargement hors gabarit, les contre-coups sont ressentis au premier chef sur les aléas de la route, sur l'état des véhicules et des routes. Quant aux peines prévues par la loi sur ces infractions récurrentes et quotidiennes, elles sont surtout pécuniaires. Lorsqu'on vous surprend en chargement hors gabarit ou en surcharge, il y a des amendes qui sont prévues. C'est 10 000 francs quand on vous verbalise comme ça. Et si vous ne savez pas faire, si vous devez faire une longue distance, à chaque poste de contrôle, vous serez verbalisé. Bientôt, les contrôles routiers vont commencer et les conducteurs qui vont se permettre de faire ce type de chargement, ils vont tomber dedans. Donc, si nous sommes là pour lutter contre les accidents de la circulation, la surcharge aussi participe aux accidents de la circulation. Le chargement hors gabarit participe à la survenance des accidents. Travail de sensibilisation, d'éducation au code de la route ou d'éducation civique des conducteurs des véhicules et des agents des routes pour voir progressivement disparaître ces cas de surcharge et ou de chargement au gabarit sur nos axes routiers et en circulation urbaine ou périurbaine. Un plan d'aménagement permet de mieux gérer la terre et d'avoir un bon rendement agricole. Tout producteur qui détient une superficie agricole d'au moins 7 hectares doit en disposer pour maximiser sa production. Eden Dossou est agronome. Il nous donne plus de précisions au micro de Edwige Agossou et Gloria Oni. Le plan d'aménagement, d'abord, le plan d'aménagement, c'est un document dans lequel est décrit la structuration spatiale à des différentes activités dans une période donnée en fonction des objectifs de production. Personne ayant l'intention donc d'avoir une exploitation agricole et qui dispose d'un espace est concerné par un plan d'aménagement. Mais déjà la taille de l'exploitation en devient nécessaire. Un plan d'aménagement, déjà les plans d'aménagement simplifiés qui sont les petits plans d'aménagement qu'on peut avoir au niveau des exploitations agricoles démarre à partir de 7 hectares. Déjà que vous avez une exploitation qui avoisine 6 à 7 hectares, il faut forcément avoir un plan d'aménagement, tout au moins un plan d'aménagement simplifié. Mais je vais également souligner qu'en dehors du plan d'aménagement, nous avons ce qu'on appelle le plan de gestion et qui est aussi un document qui décrit la méthodologie, c'est-à-dire les différents intervenants et puis les moyens, les ressources qu'il faut mettre en place pour pouvoir exécuter le plan d'aménagement. Les deux documents vont de pair. Généralement, il y a d'autres même qui mettent les deux documents dans un seul document et qu'ils appellent ça un plan d'aménagement et de gestion des exploitations agricoles ou de gestion des fermes ou des plantations. Le plan d'aménagement devient nécessaire dans une exploitation de grande, c'est-à-dire dans des exploitations qui vont au-delà de 7 hectares. Au Sénégal, la Direction générale de développement rural de Kaffrine désire former les producteurs agricoles de la région sur l'utilisation de l'information climatique. À cet effet, elle a mis en place un partenariat avec l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie qui mettra à la disposition des agriculteurs ses prévisions. Ces derniers pourront alors développer des stratégies d'adaptation grâce aux compétences qui leur seront conférées. La localité de Kaffrine dispose de 500 000 hectares de terres emblavées, dont plus de la moitié est consacrée à la culture de l'arachide. Toujours au Sénégal, le pays participe depuis plusieurs années à la foire de l'horticulture en Italie. Cette grande manifestation se tient à Rimini, une ville située au nord de l'Italie. Et le Conseil sénégalais des chargeurs accompagne le secteur horticole dans ce salon pour promouvoir les exportations. Awa Diaye de la RTS.
Rimini est une ville située sur la côte adriatique de la région italienne d'Émilie-Romagne. Le Sénégal est présent chaque année à la foire de l'horticulture de Rimini. Les échanges de technologies et les rencontres B2B vont permettre de vendre le Made in Sénégal avec le COSEC. L'Italie veut être un partenaire pour l'Afrique, construire quelque chose ensemble dans les domaines de l'agriculture, de l'agriculture et de l'industrie de l'agriculture, qui est encore plus important, pour faire grandir les pays africains, mais aussi gagner quelque chose parce que la présence italienne dans les pays africains est une présence pas seulement de qualité, mais aussi de valeur. Je crois que le Sénégal est un pays qui a un grandissime potentiel. Le Sénégal a besoin de la technologie et des machines agricoles de nouvelle génération, donc pour pouvoir développer son agriculture au niveau, pour les producteurs pays du Sénégal. L'ortofrutta a un grand futur au Sénégal. Le Conseil sénégalais des chargeurs est un établissement public à caractère professionnel qui inscrit sa mission dans le plan Sénégal émergent. Il appuie les opérateurs économiques en termes de production. Nous sommes venus avec 6 exportateurs sénégalais que nous avons encadrés, n'est-ce pas, et pris en charge, parce que tout simplement, voilà, pour inverser, disons, la balance commerciale du pays. À part les produits halieutiques, disons, l'exportation de fruits et légumes quand même est assez impressionnante. Et c'est toutes les variétés de produits. Le Sénégal est présent chaque année à la foire de Rimini. Le COSEC, qui accompagne l'horticulture, veut renforcer cette filière. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et c'était un plaisir pour nous d'avoir suivi ce journal présenté par Estelle Pazou. Merci. Bonne soirée à vous, Estelle. Bonne soirée à vous, Assium Gaba. Et bon appétit. Allez, merci beaucoup à vous. Bon appétit à vous également. Allez, on continue, chers téléspectateurs, sur le grand rendez-vous. On va tout de suite retrouver l'experte, oui, de ce grand rendez-vous. On parlera avec elle d'entrepreneuriat féminin, autonomisation, épanouissement de la femme aussi. C'est l'heure de la rubrique Expert sur le grand rendez-vous et l'experte est là, on la reçoit. C'est Grâce Anago Humpe, elle est spécialiste des industries alimentaires. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ben, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est réciproque. J'aime bien retrouver les téléspectateurs de BB24. Ah oui, c'est un plaisir. Alors, donc, il faut dire déjà que vous conduisez une initiative, tout dernièrement, Get Up Woman, pour parler de l'épanouissement, parler également de l'autonomie. L'autonomisation de la femme à travers l'entrepreneuriat. Alors, quand on parle aujourd'hui d'entrepreneuriat féminin, est-ce qu'il y a vraiment des indicateurs pour dire, bon, c'est vrai, ça, c'est de l'entrepreneuriat féminin? On sait déjà que c'est l'entrepreneuriat voilà, conduit par la femme. Ok. En fait, déjà, permettez que je me représente un peu. Je suis Grâce Anago Humpe, comme vous l'avez dit. Je suis manager qualité et je suis spécialiste des industries alimentaires. Ok. Et je suis CEO du groupe Réponse. Et nous travaillons à l'accompagnement et à l'autonomisation des entreprises, surtout du domaine agroalimentaire, de manière à ce qu'ils deviennent plus performants. Alors, oui. Je ne conduis pas Get Up Woman, j'interviens sur Get Up Woman. Je suis membre de Get Up Woman, qui est une association de femmes qui veulent voir émerger d'autres femmes. D'autres femmes. Nous travaillons pour que ce soit la femme entrepreneur ou la femme en activité, nous travaillons à ce qu'elle s'épanouisse. On va revenir tout à l'heure sur cette initiative-là, mais dites-nous d'abord, mais c'est quoi quand on parle d'entrepreneuriat féminin? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quels sont les indicateurs aujourd'hui? Il n'y a pas de différence entre l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin, c'est l'entreprise, c'est l'entrepreneuriat. Enfin, dont le responsable est une femme. Est une femme. Donc, dès que l'entreprise existe et qu'elle est vraiment formelle et qu'elle est dirigée par une femme, on dira que c'est de l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est dirigé par une femme, c'est pas qu'il n'y a que des femmes qui travaillent dans cette entreprise. Oh non, ça c'est une approche genre. Ok. Ça c'est une autre approche genre. On dira entrepreneuriat féminin quand c'est la femme qui dirige ou bien quand c'est un groupement de femmes. C'est-à-dire, soit c'est
Là, je tombe sur les statuts entrepreneuriales. Soit c'est un statut juridique entreprise, établissement ou SARL, soit c'est un statut juridique association coopérative. Donc aussi, on aura l'entrepreneuriat féminin sous forme de coopérative. On dira que c'est une entreprise dès lors qu'il y a création de richesses, dès lors qu'on est passé d'une valeur A à une valeur A+. On dira que c'est une entreprise. Donc, une entreprise, c'est une entité qui produit de la richesse. On dira qu'elle est féminine quand c'est les femmes qui dirigent. Qui dirige voilà. Vraiment donc, c'est cette entreprise-là. Aujourd'hui, ça dit que les femmes béninoises rencontrent vraiment des difficultés dans ce secteur ou ont vraiment de la peine à s'en sortir, que vous avez si dit, les hommes... Mais les femmes, levez-vous, ou bien il y a moins de femmes aussi dans ce milieu-là, dans le milieu de l'entrepreneuriat. Déjà, dans l'approche genre, dans tous les milieux, il y a disparité. Dans absolument tous les milieux, sauf à la maternité, il y a disparité. Il y a disparité. Donc, les hommes prédominent toujours. Donc, c'est la même chose dans même l'entrepreneuriat. C'est pareil. Il y a tant de femmes au marché d'entrepreneuriat. Toutes ces dames-là qu'on voit, qui ont le détalage, qui sont de grandes commerçantes. Bien sûr. Mais ne dites pas que les hommes dominent au marché. Mais bien sûr, allez dans le marché. Il y a... Allez... Bon, moi, mon entreprise a son siège à Maoulé. Allez compter les boutiques de Maoulé, compter le nombre d'hommes qui dirigent ces boutiques. Et même dans le Tokwa, dans le marché Tokwa central, ça dit Singbogoulé, il y a beaucoup de ces entreprises-là qui sont gérées en réalité par des mais hommes. Mais pas la majorité. Hein. La majorité sont des femmes. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais maintenant, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, ce n'est pas tant le commerce. Ce n'est pas que le commerce. Que le commerce. J'ai parlé de richesse, création de richesse. C'est vrai, avec le commerce, il y a de la valeur ajoutée, mais ce n'est pas que le commerce. Moi, je mets dans entrepreneuriat, vraiment entrepreneuriat, une activité nouvelle, novatrice, créatrice de valeur, génératrice de revenus, qui donne un mieux-être à la société. Et dans ça, si les hommes triment, vous êtes d'accord que les femmes vont trimer ? Vont trimer. Les hommes même, si on doit s'exprimer en fond, eux-mêmes, ils triment beaucoup. Et ce n'est pas la femme, avec toutes ces autres contraintes, qui va mieux réussir. Il est donc normal d'outiller mieux la femme. Quand je parle de contraintes, je parle de la vie de famille, de la vie de société, des enfants à éduquer, de toutes les autres contraintes psychosociales qui étaient déjà la femme. La femme dans l'entrepreneuriat n'est pas différente de la femme ordinaire. Et la femme ordinaire avait déjà les contraintes que vous connaissez. Énormément de contraintes. Du coup, c'est normal que la femme entrepreneur soit encore mieux mise dans un cocon pour mieux l'aider à se développer, à comprendre vraiment ce qu'elle fait, à s'autonomiser. La différence entre une femme entrepreneur et celle qui vend de l'eau glacée à Tokwa, c'est juste que l'autre est dans un cercle. La femme qui va vendre de l'eau à Tokwa tous les matins, son mari ne lui dira pas grand-chose. Mais la femme entrepreneur qui est DG, qui doit recevoir des rendez-vous, aller honorer à des rendez-vous, signer des chèques sur lesquels repose un personnel, elle a tellement de contraintes, mais ce n'est pas que ça se retranche de ces anciennes contraintes, c'est ça, ça s'ajoute. Et donc, du coup, il est normal de vraiment créer un cadre favorable pour que la femme qui a l'audace, qui ose entreprendre, soit accompagnée et conduite dans un étau, de manière à ce qu'elle puisse réussir. Alors que pensez-vous qu'on peut mettre dans ce cadre formel, à créer pour la femme ou favoriser vraiment son épanouissement, son autonomisation quand cette tête se retrouve vraiment dans ce milieu entrepreneurial. Lorsqu'on parle d'autonomisation, il faut mettre l'accent sur le mot autonomie, la capacité à s'auto-satisfaire, à s'auto-gérer. Et ça, c'est dans le cash. La femme entrepreneur doit pouvoir trouver les moyens de financer son entreprise. C'est le gage de l'autonomie. Donc, leur mettre à disposition, pas de l'argent, mais les moyens de financement. Ça dit les services. Les services associés, leur apprendre. C'est une éducation. C'est une autre éducation qu'on n'a pas reçue. Il y a bientôt un livre qui va sortir, l'entrepreneuriat, ce métier que personne ne nous a appris. Et donc, on n'apprend ça nulle part. Et donc, si on n'apprend ça nulle part, il est normal que quand la personne commence, il faut le modeler pour qu'il prenne
la forme du monde dans lequel il évolue. Donc, il y a la question de financement. En dehors de la question de financement, lorsque vous êtes une entreprise, il faut que vous mettiez sur le marché un produit qui est visible, qui répond à des normes, qui répond à des spécifications données. Et donc, ça, c'est un deuxième élément, donner à la femme les outils techniques pour évoluer dans son métier. Et ensuite, la visibilité. Il faut que la femme puisse se faire... Pas la femme, en tant que femme, l'entrepreneur. Il faut que l'entreprise puisse avoir de la visibilité. Et dans tout ça, comme elle est en train de jongler entre un équilibre social, familial et professionnel, il faut qu'elle ait une bonne dose de maîtrise de soi, une bonne dose de stress. Et donc, c'est tout ça. C'est tous ces outils-là qu'on concocte et qu'on met qu'on met dans un paquet et qu'on utilise pour enrober la femme qui est entrepreneur. Et donc, c'est dans ça, c'est justement ça l'objectif de Get Up Woman. Okay. C'est enrober chaque femme dans son milieu de manière à ce qu'elle se professionnalise et qu'elle se démarque. Et qu'elle se démarque vraiment. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de façon concrète pour la femme entrepreneur à votre niveau, au niveau de Get Up Woman? Vous voulez apporter quoi? Au niveau de Get Up Woman, on a pour mission d'accompagner les femmes vers le succès. On fait du coaching, on fait des formations, on fait des meet-up. Et justement, en termes de meet-up, il y a les 24 et les 25 prochains, un séminaire qui va s'organiser à l'hôtel Katea, où les femmes seront justement outillées sur l'ensemble des sujets. On espère que c'est gratuit et que les femmes vont venir gratuitement. Le gratuit étant toxique, nous apprenons également aux femmes que l'autonomisation s'acquiert. Voilà. Et le gratuit est toxique. C'est-à-dire que c'est gratuit, mais il y aura des participations vraiment forfaitaires. Oui, d'accord, mais on va vraiment pas parler de l'événement. On va aller vers le prix, mais dites-nous exactement ce que vous leur donnez, la substance même. De ce qui est... le samedi, le 24 et le 25... On ne va pas parler de l'événement, les dates et tout. Dites-nous exactement la substance, ce que vous leur offrez. D'accord. Il y a des coachs qui seront mis à leur disposition pour leur parler, pour les motiver davantage, pour modeler leur manière de penser, pour modeler leur cerveau. Il y a des formateurs, des formatrices, éminentes formatrices, qui seront mises à leur disposition pour les aider à apprendre à décrocher un financement, comment monter un plan d'affaires, comment monter son entreprise pour aller chercher le financement. Il y aura encore d'autres formatrices qui viendront pour leur parler du compte d'exploitation. Parce qu'il y a cette chose qu'on appelle compte d'exploitation qui, une fois ratée, fait rater toute l'entreprise. C'est quoi déjà? Le compte d'exploitation, c'est le calcul des charges lié à un produit. Donc, vous calculez le produit, mais revenu à combien afin de pouvoir fixer le prix et gagner de l'argent. N'oubliez pas que vous êtes une entreprise susceptible de créer de la richesse. Il ne faut pas appauvrir l'entrepreneur. Si l'entrepreneur perd de l'argent à chaque article qu'il vend, vous êtes d'accord que l'entreprise ne va pas prospérer. Donc, il faut... Et c'est simple de dire comme ça, mais quand on rentre dans le détail de ce calcul, il y a énormément de petits détails qui doivent être pris en compte. Et donc, il y aura des formateurs qui vont les outiller sur ça. Et ensuite, question visibilité. C'est comme quelqu'un me demandait la fois passée, il allait acheter du riz. Il dit, mais écoutez, c'est trop petit. Je lui ai dit, tu en as acheté pour combien? Il m'a dit, ben, c'est juste 300 francs de riz. Mm-hmm. Je lui ai dit, d'accord, prends les 300 francs, tu vas au marché. Tu achètes du riz, tu achètes le charbon qui a préparé, tu prends de l'allumette, tu prends un peu de pétrole, l'huile, maintenant de la tomate, du sel, tout le reste, tout ça, pour 300, et tu prépares, tu manges. Oh. Bon, les 300 ne lui suffiront pas, mais il faudra qu'il se paye un salaire. Un salaire. Payer un salaire pour la personne qui l'a fait. Il faudra qu'il paye les impôts. Il faudra. Ça veut dire que ce n'est pas que ce que vous avez cité. C'est déjà le compte d'exploitation. C'est le compte d'exploitation de son plat de riz que vous aviez fait. Voilà. Exactement, mais vous avez oublié certaines charges. Les charges fiscales, les salaires, la publicité, l'emplacement. Le déplacement et tout le reste. Il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte dans le compte d'exploitation. Et donc, en tant qu'une entreprise, c'est un truc à prendre très, très au sérieux. Très, très au sérieux. Très, très au sérieux. J'aligne le nombre de traits qu'il faudra. Très, très
aligner le nombre de traits que vous voulez. Parce que j'ai déjà vu, en tant que qualiticienne, en tant qu'accompagnatrice d'entreprise, j'ai déjà vu des entreprises mourir et fermer porte parce que le compte d'exploitation à la base était mal fait. Quand l'entrepreneur perd 2 francs à chaque fois qu'il vend un produit et qu'il en vend 10 000, imaginez ce qu'il a perdu. Quand il perd 2 francs en vendant et qu'il en vend 1 million, imaginez ce qu'il a perdu. Ça fait 2 francs fois 1 million. Oui, mais ça veut dire que ce n'est pas grand-chose. Mais c'est ce petit grand-chose-là qui devait être son intérêt ou bien son... Et puis finalement, il creuse. Et surtout quand c'est une femme, elle creuse dans la popote du mari, elle creuse dans la popote du mari. Et le mari continue de lui demander, mais tu entreprends, on ne voit rien. Et effectivement, elle me met, quand elle fait le point, elle dit, je ne vois effectivement rien. Où est l'argent? Et l'argent de mon mari, l'argent qui devait servir à nourrir ma famille, passe dans l'entreprise sans qu'elle s'en rende même compte. Donc le compte d'exploitation. Aligner le nombre de traits très, très, très au sérieux, vraiment. Et merci. Ce n'est pas fini. Parce qu'une entreprise, c'est holistique, il faut vraiment que ce soit complet. Il faut de la visibilité. En tout cas, tous ceux qui vont se déplacer verront tout ça dans très bientôt. Merci beaucoup à vous. Oui, Madame Grace Anago Roupet, spécialiste des industries alimentaires. Vous êtes qualiticienne aussi, il faut le noter. C'est-à-dire qualiticienne spécialiste des industries alimentaires. Voilà, la merci qualité s'applique à un domaine précis. Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. C'était l'expert de ce grand rendez-vous. C'était l'experte de ce grand rendez-vous. Il le faut. Ah, commencez oui par féminiser certains mots. Je ne suis pas féministe, mais bon, quand même. Bon, voilà. Il le faut. Voilà. Il le faut vraiment. Ça a été fait déjà. Allez, merci également à toute l'équipe de présentation. Pratiquement à la fin de cette édition de grand rendez-vous, on va suivre d'abord la météo. On était donc à Zay ce soir à travers la carte postale dans le département de l'Atlantique. Eh bien, ce sera tout pour ce numéro du Grand Rendez-vous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était vraiment un plaisir d'avoir partagé cette soirée, ce début de soirée sur BE24 avec vous. Suivez tout à l'heure à 21h00 le forum du jour, toujours sur BE24. Le meilleur reste à venir. Bonne soirée chez vous.